bordel, où est le lieutenant? Oublie ça, putereux, allez! Mais il a la putain de radio! Le voilà! Lieutenant, par ici! Plus vite! Et maintenant, c'est le lieutenant qui avait la putain de radio! Monsieur, j'ignore ta gueule! Essaie de réfléchir! On n'a pas le choix! Faut espérer que le Medevac sera encore là quand on arrivera! On secoue, les mecs! On a un hélico à prendre! Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma, et on est parti pour la partie 6 du Let's Play Conflict Vietnam. Et là, on est plongé directement en pleine action. Attention! Là, c'est l'infanterie première ligne. Attention. Après ce temps de chargement. Ah voilà. La côte 933, 2 février 1968. Ok les mecs, le Medevac doit nous ramasser sur une ZA au nord-est d'ici. Alors on charge. Écoutez. J'arrive, mec. Tenez-vous prêts. J'arrive, mec. Eh ouais, mec. Ah, c'est parti. Attendez. Hop, je mets ma luminosité au max. C'est bon. Alors. Faut traverser le pont, mais comment? Elle est méchante! Allez, les cœurs. C'est passé. C'est le bordel là, c'est le bordel. Attendez, objectif. La fuite, survie. Est-ce que c'est par le pont ce truc là? Attendez, je vois. Ah, faut bien aller par là. Ouais, je crois que c'est par là. Et venez les enfants! Ah Dieu, faites pas n'importe quoi! Grenade à manche! Oh, il faut qu'il se soigne! Hein. Let's go! Hop 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 hop! Nouvel objectif principal. Ok. Attention. Elle est tellement bien faite, l'eau. C'est le futur. Nous sommes sur l'Emotion Engine de la PS2. Et on ressent. Il y a de l'émotion sur les visages. On ressent. L'eau est très bien foutue aussi. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il, vain Dieu? On se fait canarder par des chars, je sais même pas où. Oh là là, c'est le bordel. Allez, mais les gars, je sais même pas ce qui me tire dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont où? Ils sont tous là-bas, ah, putain. C'est la mort, là. Putain, le jeu commence à être chaud. Ordi. Ah merde. Je suis un peu dans le... Ah mais quoi? J'ai déjà plus de balles. Mais c'est une blague. Ah c'est le lance-patate. Ah du coup ça a sauvegardé le lance-patate que j'avais lors de la précédente mission. Bon c'est pas grave. On n'a pas fait grand chose. Ah purée. Pas facile. Okay, je sais pas comment ils se sont fait tous canarder les autres. J'ai pas compris. Bon allez venez.
Ah oui, j'ai que 30 munitions. Ah d'accord. C'est compliqué là. Ouais, un peu plus que 30, mais quand même. Y'a plus de balles lui. Bon, le mieux c'est de prendre celui-là là. Mais je voulais pas balancer la grenade. Bon. Y'a plus trop vite sur R2. Ah bah c'est le Vietnam mon gars. Cible devant. Cible devant. Et s'ils viennent tous vers moi. Grenade. C'est quoi qui nous canardait tout à l'heure? Attention, ils ont des mitrailleuses. Putain, mais c'est quoi qui me canarde? Ah mais il y a des mines. Attendez. J'ai pas vu. Ah non, il y a un truc qui tire, hein. Je ne sais pas quoi, mais il y a un truc qui tire là. Attends, j'entends pas de char arriver. Peut-être un mec avec un lance-roquette. On voit rien du tout. Oh là là là, c'était pas loin là. Un lance-grenade. Ah, c'est quelqu'un avec un lance-grenade, ok. Ils ont bien fait de le lire, là. On sait pas où il est. Oh, lui, il essaye de m'avoir. Oh, l'esquive de Dieu. Ah, purée. Je me soigne. Bon, attendez, je vais essayer de l'avoir. Comme ça. Avec la grenade. Ah, la grenade. Ah, ça fait quelque chose, non? J'ai l'impression que ça a rien fait. Faut que je sois de l'autre. Bonne nuit, Charlie. Bonne nuit, Charlie. Attendez. Il y a des ennemis, mais... Et moi, je veux le soigner, les gars. Voilà. Venez, les gars. Ah, je n'ai pas compris, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait un lance-patate. Comme Ragman. Ouais. Il a la gâchette facile, lui. Ah d'accord, j'ai déjà plus de munitions, c'est génial. Ah, après, mais pourquoi ça sauvegarde ce qu'on a fait avant? Non, moi, je savais pas que ça allait sauvegarder ce qu'on a fait avant. C'est une catastrophe ça. Moi je crois qu'on allait être ravitaillé à chaque mission de munitions. Ce n'est pas logique. Bon bah du coup, je sais pas, y'a qui a plus de balles? Bon y'a lui. Ah oui mais les gars, ils sont gentils. Y'en a tout le temps. Y'en a tout le temps. Voilà. Échange. Déjà je peux choper des munitions là. Ah attendez. Ramassage de munitions. Okay. Oh, on est obligé d'appuyer sur croix à chaque fois pour ramasser des munitions. C'est l'antiquité ce jeu. Ah, bah dire que... Putain normalement ça ramasse automatiquement dans un jeu normal. Oh là là. Bon attention. Les tranchées. C'est des hamacs. Ils n'ont pas l'air bien souples ces hamacs. Hein. Voyons. Ah oui, c'est super mal fait. Non, il y aurait une vieille planche en bois. Attends. Ah mais non, je vais pas soigner lui. Voilà, lui. Il y avait une grenade là. Oh putain. Oui. Voilà. Quoi? Mais ils sont tous défoncés. C'est une cata.
Une catastrophe, mais d'où ils viennent ceux-là? Oh putain, mais j'ai rien en plus. Il est où l'autre con là? À soigner. Ragman là. Allez, Ragman. Vas-y là. Attention. Bon, il y a des munitions, il y a des trucs parce que bon, c'est un peu une cata là. En ce moment. Ouais, bon, je vais donner des pansements à l'autre là, le sniper. Lui, le sniper. Junior. Oh putain. Bah oui, comment on fait? Ah, c'est ça. Tac, je vais en donner 10. Ok, c'est mis en mode à plat ventre, c'est n'importe quoi. Hop, allez, c'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qu'il fout là? Faut aller où là? C'est pas par là. Oh, pas complètement, il faut faire quoi? À choix. C'est-à-dire quoi ça? Cette colline compte plusieurs positions. Viet Cong, pour rejoindre la ZA Mike au sommet de la colline, vous devrez franchir ces positions Viet Cong. Pour rejoindre la ZA Mike au sommet de la colline, vous devrez franchir ces positions Viet Cong. Ah ok, mais l'objectif c'est là-bas. Très bien. Bon, let's go. Allez, on va par là. Remunition, très bien. Elles ne sont pas trop dégueu, ces armes-là. Bon, par contre, il y avait un Viet Cong en dessous, là. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi ils descendent? Oh, les noobs. Quoique, la suite, elle est là. Ah, mais il a popé devant moi, lui. Ah, d'accord. Oh, let's go, let's go. Oh, pourri, ils sont encore morts. C'est une catastrophe. Rien. Mais non, mais viens, abruti. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est là. Alors, lui, faut qu'il se soigne. Et faut qu'il soigne les autres. Ah, putain. Ah, fichtre. Nom d'un Viet Cong abattu. Ça n'a aucun sens. Voilà. Ah purée, mais non. Mais non, mais c'est incroyable ça. Voilà, oh, cette maniabilité. Ah, attends. Ouais, je vais soigner celui-là. Allez, venez les enfants, venez avec moi. Ne faites pas n'importe quoi. Depuis tout à l'heure, vous faites n'importe quoi. Ah là là, c'est une catastrophe. C'est une calamité. Là, on voit rien du tout. Là. Pas une lampe torche. Ah, ce serait trop beau. Une lumière dynamique dans le conflit Vietnam. Non. Let's do it. Un hélico, attention. Objectif principal. Attendez, je préfère sauvegarder parce que j'ai quand même bien galéré. Sauvegardons. Voilà, l'ordi et la PS2 sont de vrais aspirateurs. J'espère que ça va pas trop s'entendre lors de la capture. Bon, surtout le PC, là. Qu'est-ce qu'il y a, le PC portable? Ah, il surchauffe. Hop. Voilà, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ah là. Ah, attention. C'est le bordel ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais même pas sur quoi je tire. Ah ouais, d'accord, il y a quelqu'un par terre. J'ai entendu une grenade.
Ah, j'ai cru entendre une grenade se déposer sur la terre. Mais non. Bon, faut aller là, vraiment? Ah oui, faut contourner ici, ok. Let's go, les gars! Oh là, il y a un piège! Ah voilà. Je me disais bien, ils allaient se faire avoir. Mais non, mais pourquoi il tombe lui? Il est con. Oh non, on peut pas monter. On peut pas remonter? Attendez. Oh mais c'est une blague. Attends, heureusement que j'ai sauvegardé. On peut pas remonter? On peut pas remonter? C'est hyper fourbe comme piège. Attendez, on peut pas remonter, c'est énorme. Ah oh bah c'est foutu. Ok, on peut pas remonter, c'est génial. C'est là qu'on voit que c'est un jeu vraiment fourbe. Fait par des fourbes. Ah là, c'est là qu'on voit que le level design hein, n'est pas génial. Donc, il faut connaître par cœur. Alors. Attendez, ils m'ont mis où là? What? Mais what? Ok, c'est n'importe quoi. Charger la partie. Il y a eu un espèce de bug. Oh, le menu qui sert à rien en plus. Ah, voulez-vous vraiment charger? Mais vous êtes sûr de vouloir charger? Mais vous savez que si vous chargez la partie, vous risquez de... Oh mon dieu! De griller la carte mémoire. Ah, ok, faut contourner là. Je sais pas, il y avait un piège. En plein milieu, là. Je ne sais où. Alors, faut aller là-bas. On a compris. C'est rempli de Charlie partout. Ah ils sont à côté de moi là, c'est bon. Attendez, hop, je déclenche le piège. Boum. Et là vous pouvez venir. Ah, très bien. Ah j'ai bien intuité. Attention. Heureusement que j'ai fait une sauvegarde avant, hein, purée. Alors attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? 7... Bon allez, vas-y. Ah, vite. Quoi ces merdes? Des renseignements Viet Cong. Des renseignements Viet Cong. Alors lui, il a déjà presque plus de munitions, c'est magnifique. Bon, je vais prendre celui-là. Mais non, mais je voulais pas balancer. Purée. Venez. Oh là c'est n'importe quoi. Bon ça passe. Ah putain pourquoi? Pourtant j'ai bien appuyé sur L1 et R2 et il a balancé la grenade comme si j'ai fait juste R2. C'est quoi cette blague? Ça... Oula j'allais dire ça a un peu servi à rien la grenade à ce moment là. Et ça a tout fait exploser. Finalement c'était pas mal. Os. Allez os. Il est où os? Junior. Non, pas Cherry Burking. Junior. Non, c'est pas. C'est, je peux, merde. Non, c'est Os. Voilà. On se plante. De toute façon, on a plein de trousses de soins là. C'est la fiesta. Venez, les enfants. Oh là là là, comment ça lag. Y'a quoi ici? Ouais, très bien. Encore des pansements. Des renseignements Viet Cong. Il fait le mort ou quoi lui? Bon. Et Jamo. Oh de Dieu. Ah mais revenez bande d'abrutis.
Oh, mais c'est incroyable. Revenez. Un dieu. C'est à moi de me le faire. Oh là là là. C'est un espèce de char, ça. Ah, purée. C'est impossible de le choper, ce truc-là. Attendez, à moins de l'avoir avec le sniper, je sais pas. Est-ce que le sniper, il a encore ses bazookas, là? Ah oui. Vas-y. Allez, tire. Putain. Mais il a tiré où? N'importe quoi. Allez, tire. Ah, purée. Faut appuyer plein de fois sur R1 pour qu'il tire enfin. Bon. Ok, super. Bon, je le soigne avant, hein. C'est bon. Mais non, mais soigne Ragman, soigne pas toi-même. Oh là là, mais c'est quoi ce jeu? Un jeu fait par des abrutis. Je vais me faire tuer. Bon, on y va. Mais purée, mais j'ai fait L1, R2. Purée. Putain, mais le L1, il marche à peine. Allez. Ah. En train de rendre l'âme ou quoi, ma manette? Le L1 qui bug. Vas-y. Il est où? Voilà, soigner machin. Ah, ils sont où? Ils sont où ces fumées? Attendez, c'est quoi là? Hop, on a parfait. Des renseignements Vietcong. Qu'est-ce qui se passe? Ah, des fois, ils pètent des câbles, Cherry. Hein, bon, attention au tonneau là. Je pense qu'il y a un peu de pétrole là-dedans. Ou de l'essence, je ne sais pas. Munition RPD. Ah, c'est pour le lance-roquette, non? C'est pas ça? C'est quoi ça? Bon, ok, il veut pas prendre l'AK-47. Je sais pas, qu'est-ce que... Ah oui, mais bah, Chewie, il a rien du tout! Ah, les gars! Qu'est-ce qui se passe? Oh mais Chewie, mais il est con Chewie là, pourquoi il prend pas l'arme? Vas-y, prends l'arme. Voilà. Ah, c'est bien un stagiaire. Munition RPD. C'est quoi, c'est le RPD en dessous? Parce que... Je sais pas ce que c'est en dessous. Alors... Bon, je sais pas, on va récupérer les munitions. C'est vraiment pas clair ce jeu. Mais il meurt jamais! Oh d'accord, immortel. Allez, meurs! Ah, vain dieu! Ils sont humains ou pas, ces vieux de con? Oui. Bon, je vais soigner l'autre noob. Allez! Junior, Junior. Ah, c'est bon. Ah purée, mais il y a un tank là où je ne sais quoi. C'est le bordel. Ah, comment il canarde. Bon allez, c'est bon, les grenades. Ah, j'ai compris. Bon, je crame un peu, c'est pas grave. Tout va bien. Ok, ça s'arrête pas. Il y en a encore. Mais non, mais c'est une blague. Oh, ça va, ils m'ont pas vu. Oh, ça y est. Mais non, mais c'est le bordel. Bon, c'est bon, je vais me casser d'ici, là, ça me saoule. Allez, on va pas prendre cette arme à la con. Alors. Tac. Alors si, mais avec n'importe qui, hein. C'est bon. Hop, 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 hop. Hop, RPD, je sais pas ce que c'est. Échange avec armes, on va échanger avec le flingue. Je sais pas si c'est possible.
Non, c'est pas possible. Je veux pas échanger avec ma mitrailleuse. Attendez. Avec le sniper, tiens. Parce que le sniper, il a pas d'arme. Il a pas d'arme secondaire. Voilà. Bon, lui, il est quasiment mort encore. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette arme? Ah, c'est un fusil! Ah, un coup en plus! Oh bah non, laisse tomber. C'est de la merde. Un peu. Bon, faut que je le soigne parce que sinon il va crever. Mais Cherry, te barre pas! Il se bat. N'importe quoi. Allez, venez les enfants. C'est parti. Vas-y, faut aller où là? Faut aller où? Faut aller par là. Ah, c'est parti. Ah, ils sont partout. J'ai l'impression qu'ils repopent à l'infini en fait là. Ouvrir. Ah voilà. On avance enfin, putain. Ah, mais je fais comment les gars? Ah, je vais me casser. Faut partir, faut partir. Ah, je crois qu'il l'a eu l'autre. Hop, je me soigne vite fait et on va sauvegarder. En fait, la mission elle est longue. Site du crash. Ah, ça doit vraiment être la fin là par contre. On sauvegarde. C'était un vrai merdier là. It's the last save. Ça va être la galère. Dire qu'on est en facile. Ah oui, non, normal, on est obligé de perdre plusieurs fois et de refaire la mission, mais moi j'ai pas le temps. Je n'ai point le temps. Enfin, surtout que c'est trop approximatif quand même comme jeu. C'est pas vraiment la skill qui compte. C'est un peu le pif quand même. Parce que bon, la visée automatique est complètement buggée. Des fois elle marche bien, des fois elle fait n'importe quoi. Là je sais même pas pourquoi je me suis fait tuer. Et lui il a pas de trousse de soins. Ah bah heureusement que j'ai sauvegardé. C'est... Ah purée. Et décidément. Je sauvegarde vraiment bon moment. Toujours checker les sauvegardes. C'est important. Ah, c'est chaud ce passage. Bon, attendez. Au mieux qu'il s'arrête. Ah ok, ouais, c'est qu'il y a un lance-patate. Alors attendez, ouais non, lui c'est une mauvaise idée. Pourquoi il regarde là lui? Hop. On va lancer une grenade si ça marche. Il a fait un peu n'importe quoi au niveau de son lancer. Mais purée, mais c'est n'importe quoi! Il est buggé! Oh là là, mais c'est... il lance comme un handicapé! Bon, là, c'est bon, bourrin. Super. Ce jeu est super bien codé. Alors, je sais pas pourquoi des fois ça les touche pas alors que je tire plein de fois dessus. Ok, super. Comment on fait là pour soigner? Tac. Voilà, deux fois, comme ça il a toute sa vie. Ah, il a cette arme là, purée, j'avais oublié. Allez, crève! Elle est pas puissante cette arme. Alors attendez. Tac, soigner Cherry. Ok. Enfin un moment de répit quand même, les gars. Je vais sauvegarder l'autre. Sauver l'autre plutôt. Pourquoi sauvegarder? Je vais sauvegarder sa mémoire! Même après la mort, on s'en souviendra de toi. Junior. Non mais Cherry, arrête de gueuler. Hein, si tu ne gueules pas, tu ne vas pas crever. Hein. Par contre, si tu gueules, les autres vont venir te voir et vont te faire un joli coucou. Alors. Récupérer des trousses de soins. Ah,
Alors, on peut pas faire comme ça, non. On est obligé de donner. Tac, donner à Cherry. Je vais lui donner des trousses de soins. Ça. Allez hop, ça. Junior, il en a pas aussi. Et Junior, il se casse. Il est un peu con. Allez, c'est parti. Les munitions, nickel. Ah, un hélicoptère qui s'est crashé. Ah, c'était la fin. Ah, il y avait une grosse embuscade là, à la fin, et hop, c'est... Ça se termine comme ça. 20 minutes. Je crois qu'on a fait plus, hein. Attendez. Si je passe la souris comme ça, 31 minutes de vidéo. Ouais, bon, on va mettre les stats et je pense que ça va être la fin de cette partie. Ah, ça va être une petite partie par rapport aux autres. Enfin, il me semble. Attendez, les premières parties de conflit Vietnam, c'était quasiment une heure. Alors attendez, fusil d'assaut. Ah, c'est comme ça que ça marche. Alors attendez, tac. Donc lui c'est bon. Tireur d'élite, alors on va pas faire que le sniper lui. La mitrailleuse ça serait pas mal, ou fusil d'assaut. C'était le fusil d'assaut qu'on a utilisé je crois, juste avant. Ouais, vaut mieux qu'il se débrouille au fusil d'assaut aussi. Mitrailleuse, je crois qu'à la grenade lui il est à chier. Non, ah il a pourtant 3. Et pourtant il sait même pas balancer une grenade. Attendez, il n'a jamais joué de pétanque de sa vie. Comment ça se passe? Ah pourtant, il a la gueule parfaite. Il a la gueule parfaite pour faire de la pétanque. Tu la retires ou tu la manques, Freddy. Tireur d'élite, alors attendez, mitrailleuse. La grenade. Fusil d'assaut, un peu celui-là, parce qu'il a quand même souvent un fusil d'assaut. Alors Cherry, comment ça se passe? Cherry Birking. Hein. Oh là là. Grenade. Tireur d'élite. Fusil d'assaut. Fusil d'assaut. Ouais. Médecin, il est à donf. Fusil de combat. Lance-roquette. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourra mettre quoi pour lui? Un coup de pistolet peut-être, je sais pas. Ah, quoique non, il a jamais de flingue. Bah non, lui il a que un fusil d'assaut et puis c'est tout en fait. Il n'a même pas d'autre arme. Faut en choper dans le niveau en fait. Et le problème c'est que dans le niveau, moi je sais pas s'il va y avoir une mitrailleuse ou un fusil d'assaut. Bon. Globalement ce sont des fusils d'assaut. Bon, allez, un peu de mitrailleuse. On sait jamais. Voilà, hop. Continuez. Sauvegarder. Ça, c'est divin. La sauvegarde. La sauvegarde de Jésus. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas oser appuyer sur continuer. Nous allons voir la suite dans la prochaine partie. Sur ce, voilà, je n'ai pas trop parlé lors de cette partie parce que ça a été assez compliqué. Avec ces millions d'embuscades de la mort des Vietcong qui popaient à l'infini. Les Vietcong aussi qui étaient équipés de lance-patates. Ça devenait plus compliqué quand même. Ça devenait plus compliqué. Donc là, c'est plus la même chose. Ça ne rigole plus. Heureusement que j'ai mis en facile. Parce qu'en normal, je pense qu'on aurait bien galéré. Bah, sur ce, je vous dis à la revoyure. Pou! De nouvelles aventures. And the next part.